Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour le 44e épisode du Let's Play sur Might and Might Portia. Alors, en ce début d'épisode, on va parler de beaucoup de choses. Donc du coup, je vais pas être très actif sur le jeu, parce que je pense que je vais avoir du mal à vous parler, vous expliquer pas mal de choses. En même temps que je vois les différentes choses que je vois avec vous. Alors, on va quand même regarder les courriers. Alors, salut Soma, merci pour ton aide au tunnel. J'ai remarqué que l'IA de la pelleteuse a laissé tomber un gros fourré. Je me demande si tu peux l'utiliser pour nous aider à construire une foreuse pour accélérer la construction du tunnel. Si je vois se trouver un diagramme que j'ai trouvé sur Vega 5, je n'ai rien vu, jamais rien vu de tel. Ça a l'air ridiculement compliqué. Avant, il n'avait pas le fourré nécessaire pour construire ce truc, mais maintenant on peut. Amuse-toi bien. Mint. Ok. Donc on a appris un nouveau plan. Ensuite, on a Carole. Cher constructeur, je suis désolé, mais est-ce que tu pourrais-tu venir me voir si tu as le temps? J'ai besoin de faire construire quelque chose rapidement. Carole. Donc une quête. Alors je sais d'où ça vient tout ça. Et là, c'est les appréciations pour la comparaison sur les objets. On est aujourd'hui dimanche. Donc j'ai encore la comparaison. Je vais peut-être la zapper aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai à voir avec vous dans ce début d'épisode? Oula, j'ai les arbres qui ont repoussé. Ça c'est à cause, je pense, du dernier gros patch qu'il y a eu. On va en parler justement. Faut savoir que le 8 juin a eu un nouveau patch, gros patch avec plein de nouveaux contenus qui est arrivé. Moi je tourne, donc c'était le 8 juin, je tourne le 11, mais vous verrez cet épisode que le 18 juin, avec le décalage d'une semaine, hein, donc ça fera déjà une semaine et demie que pour vous le patch est sorti, mais pour moi je vais le découvrir maintenant, mais ça on en reparlera après. La première chose que je voulais discuter avec vous, c'était tous les conseils que chaque personne qui suit la série m'avait donné. Je vais commencer par Dorine, comme c'est ma plus fidèle et plus ancienne abonné qui suit cette série. Donc Dorine qui m'a dit que malheureusement elle connaissait pas les recettes. Enfin, vous savez, ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle, les recettes à découvrir avec la marmite. Donc bah c'est pas grave hein, si elle sait pas. Par contre elle m'a conseillé peut-être d'aller voir si chez Django il n'y avait pas avec la monnaie spéciale que vous savez qu'on gagne en jouant aux fléchettes. C'est normal ça? Alors je me coupe dans mon élan. Ok, il faut que je lui mette de la nourriture maintenant. Alors ça doit être avec la mise à jour. Et comment je l'entraîne? Annuler. Nourrir, étable. Ah voilà. Ah, on peut le vendre maintenant. Donc s'entraîner, on va continuer. Donc elle m'a dit peut-être que la boutique avec la monnaie spéciale en vendait. Donc on ira faire un tour. Donc ça c'était la première chose. Ensuite j'ai Marius qui m'a dit, il m'a fait un petit MDR pour ma tête de poisson rouge. Hein, où je vous parle souvent, je suis un peu comme un poisson rouge, je retiens pas grand chose. Et qui m'a fait remarquer que, c'est vrai que merci à lui parce que j'avais complètement oublié que pour faire fonctionner ces machines, j'avais trouvé en fait ce qu'il faut pour les faire fonctionner dans le désert. Et notamment celle-ci que j'avais déjà chargée, voilà. Donc, merci à lui. Alors je vérifie si c'est, voilà, dans les ruines du désert. Donc on ira essayer d'en farmer. Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, j'ai Karl qui m'a dit que pour la tarte à la citrouille, vu qu'on essaye de craft une tarte à la citrouille, j'avais fait un essai, il faudrait peut-être de la pâte dans la recette. Alors, il a certainement raison. Je crois que la pâte, on peut la craft, voilà, ici. Donc, en plus, hein, le craft est là. J'essaierai vraiment de faire... Alors, je sais pas quand, mais j'essaierai vraiment de faire un épisode spécial où on découvre les recettes ensemble, un peu comme dans un hors-série ou quelque chose comme ça. Mais il faut que je trouve le temps, c'est surtout ça. J'en suis désolé, mais actuellement, je n'ai pas le temps de faire des vidéos en plus que ce que je fais déjà sur la chaîne. Donc voilà. Ensuite, je vais montrer vite fait, parce qu'il s'est interrogé sur un truc, mais je voudrais... Oh! C'est sérieux. Ouais, donc ça, c'est dû aux mises à jour, hein, les coffres qui repopent. Regardez, tous les coffres ont repop, j'ai l'impression.
Bon, on va pas s'amuser à les récupérer, hein, il n'y avait rien d'extraordinaire. Alors la cabine téléphonique, c'est tout simplement, on donne un appel au développeur. Voilà, parce qu'il m'a interrogé sur le fait que pourquoi la cabine téléphonique brillait. Donc voilà, salut à toi qui participe à l'accès anticipé. Merci de jouer à notre jeu, le soleil brille davantage aujourd'hui grâce à ton soutien. Je n'avais pas remarqué, c'est une métaphore. D'accord, je vais raccrocher maintenant. Attends un peu, notre jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam, n'hésite pas à nous soutenir et à parler du jeu. Voilà. Et je pense qu'il y a plusieurs... Il me semblait qu'il y avait plusieurs phrases. Non. Ah non, ils ont fait un dialogue carrément. Parce qu'au tout début du jeu, quand il est sorti justement en accès anticipé, on avait 2-3 phrases différentes. Mais il n'y avait pas un échange de dialogue entre nous et les développeurs, on va dire. Et là, c'est fait. Donc tant qu'à être ici, donc voilà pour toi Karl, hein, t'as ta petite réponse en image. Je vais juste aller voir le marchand justement ici pour voir s'il y aurait des livres de recettes. J'ai pas souvenir mais... Donc ça c'est un cadeau, un cadeau et un cadeau. Après on a des plats tout prêts. Et... Après c'est de la déco, enfin c'est beaucoup de trucs de cadeaux ou de la déco. Ouais, voilà. Donc en même temps que je vous parle, je vais essayer d'aller faire les évaluations. Sinon, toujours Karl qui m'a donné des astuces pour essayer de gagner de l'argent. Il m'a conseillé de regarder mes crafts de décoration et voir si ça pouvait se faire de l'argent à la revente, ou sinon bah, de revendre les derniers minerais qu'on a trouvés. Mais c'est vrai qu'il me dit que bah, j'en aurais certainement besoin, et je pense que oui, j'en aurais besoin. Donc on va pas les vendre, hein. Donc voilà un peu pour toutes les donc ça c'était vos commentaires sur l'épisode 42. J'ai pas les retours de l'épisode 43 à part un retour de Mick, c'est voilà, c'est ça. Qui me disait que bah, je passais à côté de pas mal... Alors, je vais peut-être me tromper dans ce que je dis, hein, mais... Alors par contre, je clique où là? Parce qu'il est trop grand le machin, mais... Voilà. Bah là aussi. Et qui me disait que je passais à côté de pas mal de choses... Pardon, excusez-moi. Que je passais à côté de pas mal de choses. Et... Alors j'ai plus ces termes exacts en tête, hein, mais... Et que surtout, Bah, je n'avais pas mis les Didi Transport pour le désert. Ah bah, je lui ai répondu, hein, gentiment, hein, bien sûr, hein, c'est pas... Il n'y a rien de méchant là-dedans, que ce soit de sa part ou de la mienne. Hein. C'est un échange, on se connaît depuis le Let's Play sur Subnautica, donc on échange de temps en temps. D'ailleurs, ça fait plaisir d'avoir un commentaire, parce qu'il y avait longtemps que je n'en avais pas eu de sa part. Et bah, je lui ai répondu que j'avais pas le temps, et ce qui est vrai dans le jeu, on a tellement de choses à faire que je préfère donner la priorité à d'autres choses. Alors il n'y aurait pas là, non. Je vois pas du tout les trucs. Il y a ici. Voilà. Et que bah, je le ferai quand je pourrai. Alors, j'ai pas vérifié parce que franchement, je me rappelle même pas entièrement de ce que j'ai fait au dernier épisode. Mais il me semble qu'on avait préparé les crafts. Et puis bah, dès qu'on pourra, on les terminera. Puis on ira les placer. Voilà, tout simplement. Donc pour vous, donc ça c'était un retour de l'épisode 43. C'est le seul que j'ai eu vu que je tourne juste derrière ce 44. Je le tourne juste après que le 40. Alors non, je dis des bêtises. C'est le 42 que Mick m'a donné m'a fait les retours. Et pour les trois personnes que j'ai citées avant, c'était sur le 41. J'avais décalé d'un épisode. Pardon. Donc moi le 42 venant de sortir, je tourne juste derrière. Donc j'ai eu pour l'instant que le retour de Mick. Alors que j'ai une quête à prendre ici. On va la prendre. En plus, j'étais à l'intérieur, j'étais bête. Donc ensuite, on va parler un peu de la mise à jour, de la grosse mise à jour qu'il y a eu du jeu. Ensemble. Alors, je vais essayer de parler et... Ah, Albert, qui a encore une quête. Alors, ça n'a pas été traduit, vous voyez, ça vient d'être implanté, donc bah, c'est pas traduit. Bon, je sais pas trop ce qu'il veut, mais je passe un peu parce que c'est vrai que je perds du temps là dans mon épisode, enfin dans cette journée, et je fais pas grand-chose pour le moment. Donc très très grosse. Qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Je dois parler à plusieurs femmes apparemment.
Donc très grosse mise à jour à commencer par les succès Steam. Ça y est, le jeu bénéficie des succès Steam. Donc bah, tout ce qu'on avait déjà fait en succès, mais avant que les succès soient implantés, seront automatiquement donnés quand on se connectera au jeu. Donc moi c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai eu. J'ai débloqué 7 succès là en relançant ma partie. Ensuite, alors par contre il faut que je lise en même temps parce que j'ai pas tout retenu en même temps que je joue. Donc sur mon autre écran, c'est pas évident. Alors excusez-moi. Donc il va y avoir des nouvelles histoires principales avec certains personnages, notamment Higgins. Plus après Mali, hein, alors l'aventurier des cochons volants. Enfin je comprends pas trop bien ce qu'ils veulent dire. Mais un truc avec voilà ce personnage. Ensuite, il va y avoir la reconstruction, ou en tout cas l'amélioration du port. Donc une nouvelle série de quêtes qui devrait être assez sympa, je pense. En tout cas, j'espère. Et un truc concernant les bus. Voilà, pour les longues distances. Alors, on va parler à Xu. Tu as vu la rambarde au-dessus de l'école, elle est complètement usée. J'ai toujours peur que quelqu'un se casse quelque chose en marchant à côté. Tu pourrais la réparer pour me dissiper mes craintes, bien sûr. Donc on a plein de quêtes qui ont pop, hein. J'ai même pas regardé la carte, mais... Ah, c'est vrai que je suis dans un bâtiment. Donc ensuite, on a des nouvelles missions sur Gust et Ginger, dont certaines ne pourront être débloquées que quand on se mariera. Ensuite, on a une nouvelle machine, alors je ne sais pas comment la traduire, mais qui peut upgrader quelque chose par rapport à notre personnage. Alors je suis pas très bien préparé pour vous expliquer un peu cette mise à jour, mais bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Bah, j'ai pas le suivi, mais c'est ici qu'il faut que je fasse quelque chose. Ensuite, oh, tout ce que j'ai. Alors j'ai une quête là. Là, faut que j'aille voir Albert. Et là, j'ai encore une quête. Waouh! Donc. Et je dois parler à Phyllis et à Sonia, mais je vois pas où elles sont. Elles me sont pas indiquées sur la carte. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on va avoir la possibilité d'augmenter la rapidité des recherches par le centre de recherche. Vous savez, on donne des disques en donnant des disques supplémentaires. Des data disques, donc ça peut être un petit moyen quand on en a vraiment beaucoup, bah de gagner encore du temps là-dessus. Alors j'ai le personnage qui est en train, les personnages qui sont en train de passer là. Je pensais qu'ils étaient à l'extérieur, mais pas du tout. C'est vrai que c'est la journée de la messe et ils sont en train de. Alors là c'est Phyllis, donc Phyllis à qui je devais parler. Alors je suis désolé, je passe les dialogues, mais je dois aller voir Albert. Ah non, ça c'est Higgins. Albert, c'est à qui que je dois parler là, je comprends pas. Hop, alors là, Carole qui va me donner une quête. Donc on va l'aider, hein. Alors c'est pas traduit, c'est pour ça que je passe vite. On regardera après en détail ce que sont les quêtes. Et on va aller parler à Albert. Et on peut pas, il est 18h passé, on l'a dans l'os. Alors peut-être qu'il va ressortir, on va attendre un peu. De toute façon, on n'a rien fait d'autre. Pendant ce temps-là, je vais continuer de vous parler de la mise à jour. Donc la station d'assemblage qu'on pourra upgrader, enfin qu'on peut upgrader du coup au level 3. On peut aussi dorénavant upgrader la maison au level 4. Ah ça, c'est génial. Maintenant, quand on va crafter des objets au workbench, donc à l'atelier principal, on sera plus obligé d'avoir les objets sur nous. L'atelier va aller les chercher directement dans le coffre. Alors j'espère que la zone par contre est assez grande, vu que j'ai éparpillé mes coffres un peu partout. Mais ça c'est un très bon truc. Maintenant les crafts vont permettre, pardon, vont aider à gagner de l'expérience. Ils disent aussi que aider hack, donc qui est le robot, hein, and spouse, alors spouse je sais pas ce que c'est. À collecter des produits pourra aussi donner de l'expérience. Alors, donc il faut savoir aussi que quand on devient ami avec certains habitants, ils peuvent nous rendre des services et donc ça devient des amis, hein, quelque part. Et
Ils vont pouvoir aller piocher les matériaux rares et le carburant nécessaire dans nos coffres pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Enfin, c'est pas nos amis qui vont nous donner des services, c'est plutôt des aides pour nos tâches quotidiennes. Voilà. Quelque chose qu'on n'a pas encore découvert d'ailleurs. Ces aides, justement, placeront automatiquement tout ce qu'ils ont collecté dans nos coffres. Alors, c'était peut-être le cas de mes animaux. J'ai pas regardé si je pouvais ramasser le caca et le lait et les peaux. Donc, on verra bien. Ils ont aussi ajouté un nouveau niveau, donc le niveau 3 pour les ruines, enfin le donjon hasardeux mais du désert. Donc il y aura 3 niveaux aussi là-bas. Il y a des nouvelles animations de combat pour Sam et Remington. Bon, ça c'est pas très important. Il y a plus d'objets dans les mini-jeux. Oh, j'ai vu passer quelqu'un. Hop, c'est Albert. Heureusement que j'avais un œil sur l'écran. Ok, donc la quête est faite. Alors on va regarder un peu les autres qu'on a. Rambarde cassée, bah on va la prendre. Et sinon après, Petra. Faut que j'aille voir Petra. Alors Petra, à mon avis, c'est mort. Il est trop tard. J'ai quand même allé jeter un œil, mais. Donc plus de choses à. D'objets via les mini-jeux. Donc à gagner, j'imagine. On peut renommer notre atelier, que j'ai appelé moi Fenrir, hein, à la mairie, dorénavant. Alors ça, c'est la rambarde. Et puis, bah, bien sûr, là, c'est chez qui? C'est Petra, on ne peut pas aller l'embêter. Donc, bah, on va finir la journée comme ça, tranquillement. Alors, je vais pas tout vous lister, parce que sinon, ça va me reprendre encore un épisode. Je vous conseille d'aller voir le patch note qui est sur Steam. Mais il y a encore plein de choses. Je vous en ai énoncé que la moitié des ajouts. Alors je vous ai annoncé les plus importants, hein, mais il y a encore, il y en a encore autant. Et moi je trouve ça plutôt cool. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va quand même se concentrer sur le jeu. Alors pour la journée d'aujourd'hui, bah on n'aura rien fait, mais bon c'est pas grave. On va juste récupérer nos crafts. Hop. Et puis on va faire un peu de rangement. Ça tourne plus. Donc c'est que j'ai plus de. On va refuel aussi. C'est que j'ai plus de. Comment ça s'appelle? De pierre de pouvoir. Donc là, c'est vide aussi. J'ai tout qui est vide. C'est. Bon, voilà. Ouais. Quand on fait rien sur un épisode, on prend un retard incroyable. C'est pour ça que j'avais répondu à Mick, hein, que bah, il y avait des choses plus importante, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire sur ce jeu tous les jours, c'est assez impressionnant. Alors les il découvrira l'épisode 43 Mick que j'ai crafté les arrêts de bus et que j'ai plus qu'à les poser dans cet épisode, hein, bien sûr. Il faut encore que je les pose, ça c'est une autre histoire. Alors on va refaire de ça, on va poser tout ça. Les lingots, les lingots, les lingots. J'ai encore du charbon. Mais j'en ai plus beaucoup. Donc on va refaire vite fait du charbon ici. Par 25, vous commencez à avoir l'habitude. Voyez là, j'ai plein de quêtes à faire. Là, demain, je vais avoir une commission à aller prendre. Plus toutes les deux quêtes principales. Plus les deux quêtes secondaires. Faudrait que j'aille farmer dans les mines pour avoir le carburant pour ces machines. Il faut que j'aille faire bisous à Emily, j'ai même pas fait aujourd'hui. Vous vous rendez compte, je l'ai abandonné. Enfin, y a trop de trucs à faire. Faudrait que je découvre les recettes, j'ai pas le temps. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors, les items, apparemment, ont bien été ramassés. Ah, moi, je les ai ramassés machinalement au début d'épisode, je me rappelle plus. Franchement, j'en perds mon latin. C'est un truc de dingue. Donc, on va en fabriquer 4 ici. Et 5 à côté. Voilà, puis je peux pas en faire plus. Du coup, sur cette machine-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc en plus, il me faut ça. Ah oui, il faut que je relance des bronzes. Faut penser à réalimenter tout le temps les machines. Au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Et tout ça prend un temps dingue. Ça prend un temps de dingue. On va remettre du carburant partout.
Là, non. Celle-là, oui. Faut que j'aille farmer régulièrement des compos dans les mines. Enfin, c'est... Vous vous rendez pas compte, en fait, de tout ce qu'il y a à faire sur ce jeu. C'est un truc de dingue. Bon, je rangerai demain. On va passer la journée. Et on va aller à la suivante. Sinon, je ferai rien de plus, là. Et on va essayer d'avoir un minimum d'organisation pour la suite. De cet épisode un petit peu spécial. Voilà. Alors déjà, on va pouvoir voir si... Oh, j'ai encore du courrier. Il y a trop de trucs. Alors ça, c'est remerciements. Et nous organisons une fête pour le solstice d'hiver le 23 de ce mois sur la place centrale à 10h tapante. Cela nous ferait plaisir de t'y voir. Divers ingrédients, nous cuisinerons un ragoût. Le 23. Ah mais c'est demain. Ok. Ça laisse pas beaucoup de temps pour se retourner. Donc il faut qu'on amène des ingrédients. Donc on va faire le câlin aux bêtes. Voilà. Ou si vous avez des petites astuces ou si vous voyez que j'oublie des choses, hein, surtout, bah, n'hésitez pas parce que des choses, j'en oublie, je suis sûr, quasiment tout le temps. Ou si vous voyez que je parle d'une chose et que ça fait un moment que j'en parle mais que je le fais pas, bah pareil, n'hésitez pas. Hein. Non, je veux pas le vendre. J'étais habitué à avoir que deux options avant. Je clique forcément sur la plus à gauche, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Donc, bah, ici, on va relancer des lingots comme ça. Hein. Voilà. Tac. Ok. Donc on range tout ça. Alors, on va essayer de ranger un peu notre inventaire là parce que c'est une catastrophe. Tac, j'ai des aiguilles. Ça, ça va là-bas. Ah, vous voyez, j'en ai en plus des pierres de pouvoir là. Je vais aller les mettre dans une des machines. J'avais même pas vu. Tac. Ok. Bon, on regardera après à quoi elles servent hein, parce que... Bah, parce que j'ai autre chose à faire en fait. Les machins comme ça. Ça, faut que je le revende. Alors ça, c'est quoi ça? Gros forêt. Ah oui, ça c'est pour ma quête. Ça, faut que je le revende aussi. Ça, faut que j'aille le mettre au musée. C'est vrai, j'avais ça à mettre au musée. Ça, c'est quoi ça? Abricot sec. Pff, faut que j'aille mettre ça. Oh là 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 là, c'est une catastrophe tout ce qu'il y a à faire. Catastrophe. Par contre, du coup, les fientes, enfin les caca, les machins, il va les mettre dans quel coffre le jeu là en fait? C'est la question que je me pose. Parce qu'ils partent de là, mais il va me les ranger dans quel coffre? Là, j'aimerais bien savoir. Donc ça, ça va là. Ensuite, on remet les minerais. Et le tuyau. Voilà. Il faut que je refasse des plaques en acier. Parce que j'ai bouffé toutes mes plaques. On va faire 10. C'est parti. Allez, il est quelle heure? Il est 9h. On va aller voir Emily. Qui ne me demande plus sa tarte à la citrouille, hein, forcément. C'est trop tard. Dans le patch note, il y a quelque chose avec elle d'ailleurs. Je crois qu'on peut augmenter de niveau son stockage d'eau qui est là. On peut le passer au level 2 ou quelque chose comme ça. Alors je sais pas comment ça se fait, hein, mais c'est ce truc-là qu'on lui avait construit pour son arrosage. On peut à première vue l'upgrade. Ce sera peut-être via une quête. Hein. D'ailleurs, en parlant de quête, regardez, on en a encore une là. Génial. Donc c'est avec la grand-mère ou la tante, je sais même plus, tiens, d'Emily. Donc Sophie, je crois que c'est la grand-mère. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Bonjour, hein, je me souviens que j'attendais une commande de Martha, mais il commence à se faire tard. Tu pourras aller voir ce qui s'est passé. J'irai bien moi-même, mais mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Il n'y a
pas un problème de traduction là. Normalement, le truc pour aider en général, c'est la première. Voilà. Bon. Et je crois qu'il y a un petit souci de traduction. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La rambarde. Ça, c'est quoi ça? Carole. Il y a trop de trucs. Il me faut 3 plaques d'acier, 2 fils de cuivre. Ah oui, pour la rambarde, je vais prendre ça. Je crois que je vais pas faire ma commission du jour. Je vais essayer de me concentrer sur toutes les quêtes annexes qui ont pop avec la mage. Essayer de les finir vite fait. Donc, fil de cuivre, plaque d'acier. Bah, je vais prendre ces deux, il m'en manque une. Le fil de cuivre. Ok. Alors après, mission. Faut que j'aille voir Martha. Et là, faut que j'aille voir Petra. Les fléchettes, je vais laisser, je vais passer aussi. On voit que ça approche de Noël. Ils ont fait la déco de Noël. Sérieusement. Chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. On a Ox qui est toujours en train de fouiller les poubelles. Bel exemple. Faut que je vende mes items. Il faut que j'aille poser le livre aussi au musée. Sophie demande ce qui se passe avec sa commande. Ah, elle a complètement oublié. J'étais tellement occupé. Elle a commandé 8 tartes aux fruits, mais je n'ai plus les ingrédients nécessaires. Si je te donne la recette, tu pourrais les faire et les lui apporter. Bah, bien sûr. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Quoi? J'ai pris la quête ou pas? J'ai pas la quête. Waouh, il y a des trucs buggés. Hein. Ah si. Tarte aux fruits 8. D'accord. Elle me l'a prise direct. Ah, il faut savoir que depuis cette grosse mise à jour du 8 juin, ils ont fait trois petites mises à jour pour régler les bugs liés à cette grosse mise à jour, etc., etc. Et notamment le dernier qui est sorti le jour où je tourne là, qui est énorme. Ils ont fait énormément de fixés, de bugs, de trucs, des ajustements. Ils ont fait plein de choses. C'est assez impressionnant. Les mecs, ils bossent vraiment beaucoup. Oh, bah en parlant d'objets qui vaut cher, vous voyez les stylos? Les stylos que je gagne en faisant les contrôles le samedi et le dimanche. Rapporte 166 pièces d'or. Bon, j'en perds 34 à cause du marchand avec lequel je m'entends pas très bien, mais c'est quand même balèze. Voilà les coffres qui sont accessibles, on va les prendre. Donc là, il faut qu'on place notre bouquin. Alors, on va le mettre ici. Donc le petit livre, on va essayer de le mettre là. Voilà, j'ai encore fait un don. Parfait. Il faudra bien surveiller tous les items qui peuvent aller au musée. L'objectif ultime, ce serait de remplir toutes les cases. Hein, mais bon, ça va être un peu dur quand même. Alors, on va voir Petra. Alors, c'est pas traduit, donc je passe. Oh, il lui faut 5 data disques, j'ai complètement oublié. Bon, de toute façon, il faut que je repasse à mon atelier prendre aussi les plaques d'acier pour réparer la rambarde. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Non. Donc on va faire ça. On va prendre notre cheval. Et on va aussi aller poser les abribus. Il est déjà midi passé. J'ai dit que je faisais l'impasse sur les fléchettes et la commission. Au classement, on est largement en tête. Donc on peut, je pense, se le permettre. Alors ici, est-ce qu'il n'y aurait pas des recettes à vendre? Pas du tout. C'est quoi ça? Papier de la chance. Et ça, assiette en porcelaine. D'accord. Donc là, il n'y a pas de recettes. Et j'ai quand même jeté un oeil. Dans la boutique à Django, là, il y a des trucs qu'on peut acheter. Ah non, c'est pour prendre la commande. Donc je ne veux pas. Ok. Ok, ok, ok. Bon, faut qu'on regarde aussi pour ces tartes qu'on doit faire. On va voir ça, ce qu'il nous faut. Alors les tartes, est-ce que ça va se faire là? Ah, j'ai pas l'impression.
voyez, j'ai découvert, j'ai rien découvert en recette, rien du tout. Alors par contre, elle est censée m'avoir donné la recette, mais comment en fait? La dame. Parce que moi je veux bien, mais des tartes aux fruits. Ah pardon. Alors, avec des œufs, du lait et des fruits. Bon, c'est... En même temps, c'est logique. Des œufs. Alors par contre, on va faire comme ça. Le lait, je l'ai là. Et puis bah des fruits. En fruits, j'ai les figues de Barbarie, peut-être ça fera le café. Je sais pas trop. Et le lait. Et donc logiquement, mais pourquoi ça fait ça? Ça là. Attendez. Hop. Logiquement, si je fais ça. Donc, je suis sur le 4. Alors, ajouter ingrédient. On ajoute. Et on ajoute. Voilà. Est-ce que ça va nous sortir quelque chose? Prendre. Non! Pas prendre ça comme ça, abruti. Oh là là. Non mais je suis un teuteux. Préparation terminée. J'ai eu des restes de nourriture. Bon. Super. On va essayer avec un vrai fruit donc. Parce que la figue de Barbarie, du coup, je suis pas sûr que ça fasse ce qu'il nous faut. Donc. Alors, 4. Je peux pas ajouter le... Je peux pas ajouter la pomme. Génial. Je peux pas ajouter la pomme, c'est sérieux quoi. On va essayer avec ça. Ah, c'était des pommes spéciales que j'avais aussi en même temps. Je suis nul. Où est-ce qu'elles sont passées les pommes? Oh là 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 là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ça va pas là ça. Ouais, je suis pas cuistot moi en même temps, hein, mince. Sans déconner quoi. Donc, on recommence. Tac. Tac. Et je peux pas mettre... Oh là 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 là, mais c'est sans déconner quoi. Je peux pas mettre ça non plus. Et je mets quoi comme fruit alors? Putain, c'est pas possible. Bon, dernière tentative. C'est un peu chiant quand même leur truc, hein. Ça marche pas là, moi je sais pas quoi faire. Parce que c'est considéré comme un fruit la citrouille, je crois pas, mais... Bon. Hein, voilà, ça me casse les... Hein, vous m'avez compris? Je vais aller chercher des pommes. Je vais prendre mon cheval. Oui, bah c'est pas grave si l'entraînement est pas terminé, tant pis. C'est en train de me saouler en fait. Donc on veut... poser les abribus. Alors il y a des arbres là, je vais prendre des pommes vite fait au passage. Voilà. Voilà, parce que il va falloir qu'ils m'expliquent ce qu'ils veulent comme, comme fruits. Hein, à un moment donné. Donc là j'ai de la pomme. Alors théoriquement il m'en faudrait 8. Hein. Si ça marche avec les pommes. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Allez. D'accord. La roulade. J'ai fait la roulade du siècle. C'est quoi ça? Oh. C'est sympa ça. C'est un abribus ce truc. Non? Je sais pas. Donc, en parlant d'abribus,
Allez, on y va les poser cette fois. Tac. On se met en 8. Et on place. Voilà. En voilà un. Et le suivant, il est à peu près par là-bas. Après, c'est vrai que ça ira quand même plus vite de se TP que de faire même à cheval, hein, ne serait-ce qu'à cheval. Allez, mon petit cheval. Là, il est là-bas. Il est déjà 18h30, j'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi. Nickel. Allez, parce que ça nous rapporte rien hein, de faire ces abribus. À part nous faciliter la vie dans les déplacements. Ça ramène pas de répute, ça ramène pas d'argent. Même pas une petite récompense, que dalle. Hein, donc, bon. Allez, on fonce. On va repasser à l'atelier et puis récupérer une plaque d'acier que j'ai oublié de prendre. Et on va réparer la rambarde. Après, il faut que j'assemble la perceuse. Il faut toujours que j'attende pour les arbres. Ça, c'est toujours pas fait. On va retenter la recette de cuisine. Alors, on va commencer par la cuisine une dernière fois. Avec des vraies pommes. Ah, nouvelle recette découverte. Donc quand on connaît un plat... Bon ça, je sais pas ce que c'est. Ok, mais on peut pas le craft... Et... Non, mais... Oh, mais je suis un poulet. Ok, moi ce que je veux voir un truc, c'est... Attendez. Favori. Alors, je me le suis mis en favori. Maintenant... Je vois pas à quoi ça sert de le mettre en favori, mais bon. Donc je vais en faire 5. Du coup, c'est long à faire, en fait. C'est hyper long. Faudra que j'aille retaper un arbre. D'accord. Ok. Là on est pas mal. Bah, c'est mon cinquième. Donc maintenant je vais prendre les plaques d'acier. Je peux aller réparer. Hop. Ce qui est en panne là-bas. Hop. Allez, on fixe ça. On va voir la récompense. Je me trompe. C'est clic droit. Alors la récompense c'est qu'il est déjà chez lui. Ah bah oui, il est 23h en même temps. C'est normal. On va rentrer à la maison. On va faire nos bricoles. On va remettre le cheval à sa place. On va lui relancer un entraînement. Voilà. Nickel. Par contre, tu ne bouges pas. Hop. Non, c'est bon. Tu bouges pas, hein, normalement. Tu me suis pas, hein. Vu que t'es en entraînement. Ouais, c'est bon.
Alors, on prend ça. Ça, forcément, je m'en suis pas occupé. Donc, ça, c'est stoppé. Nickel. On va relancer. Voilà. Est-ce qu'il me reste du... Oui. Donc, on va relancer ici. Ah, j'en ai que 12. Fabriqué. Tac. Tac. Ok. Ensuite, on range. Ça, je le vendrai. Tac. Donc, il me faut des pommes. Je vais aller chercher d'autres pommes après. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Les plaques et le fil de cuivre. Ici. La pomme aromatique. Elle va là. Et je vais aller taper un autre arbre. Alors je crois qu'il y en a par là-bas. De mémoire. J'aurais dû prendre... ouais, c'est pas grave. Alors, des pommes. M'en faut que 3, hein. J'en ai pas besoin de 50 000. Ce serait sympa si on pouvait planter, tiens. Du bois qui traînait. Si on pouvait planter un, comme un verger, des arbres fruitiers, en fait, chez nous. Ce serait pas mal aussi. Bon, même si je suis pas très culture, j'ai pas cultivé grand-chose jusqu'à présent dans le jeu. Par contre, c'est... Voilà, c'est quand vous voulez, hein. Alors, une, deux, encore une, et on sera bon. On va quand même épuiser l'arbre. Oh, tout ce que j'ai eu. Ok. Donc, on va essayer de cuisiner les trois plats avant 3h du matin. Ça va être très compliqué. Surtout qu'il faut que je passe par mes menus pour remettre les raccourcis. On doit reparler avec le docteur Xu. Ah oui, ça c'est pour la rambarde qu'on a réparée. Ok, ok, ok. Oui, il est tard, je sais. Alors. Ça peut passer avant 3h du matin. Ça peut. Ça va être dur, mais ça peut. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je suis tombé comme un caca. Bon, par contre, mon plat est prêt à première vue. Je suis tombé comme un gros caca. Aïe aïe aïe. J'ai pas eu le temps de faire le troisième. Oh non, encore un truc. Alors bonjour. Ah bah c'est les trucs pour les arbres. Ouais, bonjour, voici les peupliers adultes comme promis. Tu vas devoir les combiner avec tes bacs à plantes pour en faire des blocs sable à ton poste d'assemblage. Voici le diagramme nécessaire, je l'ai conçu aussi. Pas mal, hein. Ok. On a encore du courrier. Oh là là. Brigade civile, après avoir effectué des explorations poussées au cours des derniers jours, nous aimerions t'informer que la vieille mine d'Ingal dans le désert de Fola est désormais une ruine périlleuse. Tu peux y entrer, mais tu devras faire preuve de prudence. Elle abrite de nombreux monstres. Donc du coup, on a débloqué les ruines périlleuses du désert, et avec ce fameux nouveau troisième étage, du coup qu'on a directement, vu qu'on ne l'avait pas encore débloqué jusqu'à présent. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Ça, je vais les laisser se finir. Donc, ma recette. Tac, j'ai mes 8 trucs. Donc, on va aller voir. Ah, mes bébêtes. Ah, lui, il est toujours en entraînement. Alors, par contre, il y a longtemps que j'ai pas mis de... à manger dans cette étable-là. J'ai 10 pommes là, je vais essayer de mettre les 10 pommes. Ah oui, il n'y avait plus rien en fait. Mince, j'ai annulé. J'ai plus rien à manger dans mes bacs en fait. Je m'occupe pas bien de mes animaux, hein. C'est pas bien. Allez, le petit bisou à Émilie. Tiens, il y a mamie Sophie qui est là, c'est bizarre. Et Émilie, elle est où? Elle est toujours dans son champ, Émilie. C'est elle qui s'occupe des poussins? Non. Ah! Alors là, c'est Exu. Oh, c'est quoi tout ça? C'est les arbres! Oh, ah, j'ai complètement oublié! C'est quoi ça? C'est vrai que c'est solstice, j'ai rien à ramener en plus. Oh. 1 heure, c'est à 10 heures. Oh là là, mais donc du coup, Émilie, elle doit être là-bas en fait. Oh, vite, il faut que je trouve quelque chose à donner. Oh, je vais donner de la viande, tant pis, c'est un ragoût. Prends la viande en main. Vite, 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 vite. C'est vrai que je devais apporter quelque chose. Et ça se fait où? Oh là 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 là, je vais être à la bourre. Non! C'est où? C'est là-bas. Il y a des cadeaux qui tombent du ciel comme au solstice d'été? Ouf! Alors, tu peux acheter des aliments au stand de nourriture d'Emilie. Plus le ragoût est épicé, plus la température monte. Équipe le type de nourriture dans la barre de raccourci. Approche-toi du ragoût et une option apparaîtra. L'icône au-dessus de la tête de cette personne signifie qu'il ou elle veut manger de la salade dans, dans le ragoût. Si tu ajoutes de la salade, ta relation avec cette personne s'améliorera. Tu peux prendre part au repas après avoir ajouté 10 aliments. Manger augmentera certaines de tes capacités pour une durée limitée. Oh. Ok, donc ce que je vais faire, c'est virer mes raccourcis. Donc au stand d'Emilie. Alors, là, il y a ça, ça, ça et ça. Stand d'Emilie, c'est où? Il est là. Je vais acheter ça. Ça. Poivron. Machin comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors. Ah, il veut de la côtelette. J'en avais de la côtelette. Mais quoi? Ajouter. Du sel, j'ai pas de sel. Allez, demandez des trucs que j'ai. Vite. Ça, je l'ai. Et ça, je l'ai aussi. Ok. Papam, paladam. Des crevettes. Ouais, mais il y a trop de trucs, en fait. Poussez-vous. Il y a trop de trucs. Alors, j'ai déjà repris un truc comme ça. Je vais reprendre une feuille de chou. Ouais, mais il y a... Il y a trop d'ingrédients en fait. Regardez le nombre de pages d'ingrédients quoi. Faut espérer avoir un truc qu'on possède. Des œufs, bah j'ai pas. Ah mais des œufs j'en avais sur moi, je suis une truffe.
La viande. C'est déjà fini? Ok, bah j'ai perdu, je pense. J'ai mis que 3 ingrédients. Ah, c'est rigolo, hein? Sympa les petits events comme ça. Bon, ça nous bouffe la journée, mais c'est sympa. Et il se passe quoi maintenant? Oh, le maire! Manger. Oui, là je mange mon... D'accord. Bon, je comprends pas trop ce qu'il faut faire maintenant. Du coup, est-ce que j'ai pas... Machin là qui est là quelque part pour ma quête. Ah, il est là, mais pendant l'event en fait on peut pas parler au PNJ. Donc bah, je suis obligé d'attendre. Je pourrais aller farmer, mais j'ai rien à farmer. Lui il rentre jamais, il est toujours dehors lui. Papa ours. Voilà, c'est dommage. Du coup on est un peu dans le caca. Bon, je vais revendre tout ça. Du coup ça sert à rien que je garde tous ces objets. Voilà. Tac. Je vais revendre ça aussi. Ça fera de la place. Voilà, il y a ça, ça, nickel, ça j'en ai plus besoin, il faudra que je le range, et ça on va faire ça comme ça, voilà. Alors je sais pas jusqu'à quelle heure ça dure. Et au niveau de mes quêtes, j'ai quand même 5 quêtes, hein. Ah, mais je vais aller chercher mes disques de données. Comme ça, je les aurai sur place. Vu qu'il faut que je reparle à Petra, mais avec les disques. Et une fois de plus, j'aurais pas fait de commission aujourd'hui. Ça aussi, c'est... on reprendra un bon rythme la semaine... Enfin, au prochain épisode. C'est vrai qu'avec ce... Cette première journée en jeu où on a beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup discuté avec vous. Bah, du coup, j'ai pas trop avancé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est fini. Donc, il me faut les disques de recherche. Voilà. Je vais essayer de ranger un peu mon foutoir. J'en ai partout. Non, c'est pas ici. J'ai ça. Du coup, je peux ranger le lait. Ah, je peux pas. Ah oui, j'ai pris. Il y a ça qui a pris la place. C'est pareil, j'ai trop de trucs là-dedans, là. Oh là 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 là. Donc ça, ça va là. Les œufs. Ici. Allez. Faut que je parle à Xu, faut que je parle à Petra, et après on verra. Il est 15h30. Allez mon petit Soma, cours! Active tes petites papates! Ah mais dis pas, les personnages sont là, mais non! J'ai fait tout le tour pour rien! Sérieusement? Pourquoi ils sont pas à leur emplacement habituel? Ah mais il y a encore un truc. Ah mais je peux quand même parler aux gens, ça va. Alors. Ok, donc elle me recontactera. Exu, il est là. Ok. Donc ça fait une quête en moins. Et après j'ai perdu un de mes cakes. Super. J'ai bouffé un de mes cakes? Oh là 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 là. Pourquoi? Pas y arriver aujourd'hui. Les loulous, aidez-moi. Oh là là, c'est la tristitude de cet épisode, je trouve. Bon. Eh ben, on reprend les ingrédients. Donc, faut que je reprenne mes œufs. J'ai...
Bien sûr, j'ai plus de pommes. Forcément. J'ai tout donné à manger à mes animaux avec, quoi. Non, 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 c'est pas possible, quoi. Oh là là, c'est dingue. Alors, je crois qu'il y a plusieurs pommiers par là-bas. Ah, les allers-retours pour rien que je fais, quoi. Allez, il est là. Ça, ça m'énerve là aussi. Je vais le manger, voilà. Ça fait une case de libre dans mon inventaire. Bon, tu me donnes tes... Voilà. Parce qu'on va le finir, hein, tant qu'à faire. Allez, hop. Maintenant, on retourne cuisiner. Et après, il faut que je retourne voir Martha. Et si ça tombe, je pourrais même pas lui parler vu l'heure qu'il est. C'est génial. On est au taquet dans cet épisode. Mais au taquet de pas grand-chose. Allez, hop. Palam, palalalam, palalam. Donc, on met ça, on met ça, et on met ça. Je vais ranger les disques. Voilà. Oui, je veux prendre, merci. Donc maintenant, on va rendre la quête. Alors Martha, elle a l'air d'être juste là. C'est elle là. Non, c'est pas elle. Viens ici, Martha. Émilie, le bisou. Elle est où? C'est pas Martha, c'est Sophie. Ok, ça c'est fait. Donc ensuite, on a plus que 3 quêtes. Donc là, faut que j'attende. J'ai pas le choix. Ensuite, il faut qu'on aille mettre la perceuse ou alors on fait les arbres. Alors, les arbres. Assembler et installer barrage anti-sable. Alors, comment? Donc, j'ai mes arbres et j'ai ça. Alors, est-ce que ça se fait là? Helper storage. Ben, j'ai pas d'helpers, donc là. Ah, il y a des nouveaux crafts, hein, de la poudre à canon. Ça, c'est des nouveaux crafts, hein, qu'il n'y avait pas avant. Ça, ça fait partie de la mise à jour. Panneau de contrôle, je suis pas convaincu qu'il y en avait avant. Par contre... Trap box. Ah ouais. Bon. Il y a trop de trucs maintenant en fait dans le jeu. Sac banane. N'importe quoi. Bon, je sais pas comment on fait l'assemblage des trucs là. Mission. Un mur vert. Ouais, faut peut-être que j'aille les poser directement en fait. Hein. Allez voir ça. Allez, c'est parti. Avec un peu de chance, hein, c'est juste avoir les items sur nous et les poser. J'espère. Allez, on va commencer le plus par là. Cet objet n'est pas disponible. Ah, faut bien que je crafte un barrage anti-sable. On est bien d'accord. Et
mince, je sais pas comment on fait ça. À la station d'assemblage sûrement, j'imagine. Je suis venu en fait ici comme un gogol pour rien. Putain, c'est... C'est hallucinant de se planter comme je fais, quoi. C'est... Allez, l'aller-retour, je fais pour rien, quoi, en fait. Ouais, c'est pas terrible, hein. Il est déjà 9h30. Ah, c'est quasi sûr que c'est à la station d'assemblage, en fait. Je veux passer, merci. Donc, hop, on va jusqu'au bout. Ben voilà. D'accord. Bon. Alors, il faut que je les ai du coup en main. Hop. Ça, on pourra le ranger. Et donc il faut que j'en fasse 6. Ok. Le 4. Voilà. De 2. Ensuite, tac. Je comprends pourquoi il y avait 24 arbres en fait. Ça marche. Nickel. Allez, plus qu'à retourner cette fois et les poser. Non. Allez, go, go, go. Et puis après, bah, on arrêtera l'épisode pour d'aujourd'hui pour après ça. Et on essaiera de repartir sur un truc plus propre la prochaine fois. Parce que là on était vraiment pas bon. Il faut dire ce qu'il y a, faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Alors, et de 1 et le 2. Au cheval, tu me suis, hein. Donc 3 et 4. 5 et le petit dernier pour la route. Et 6, parfait ça. C'est vraiment super, je suis d'accord. Plus de sable sur ma table au petit déj. Donc ça, ça va nous rapporter beaucoup, je pense. 3200 pièces d'or, 200 de répute, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on rentre à la maison. Il nous reste la perceuse et cette quête que j'ai pas mis en suivi. Voilà. La perceuse, c'est derrière nous, hein, mais moi je rentre à l'atelier pour le prochain épisode, tout simplement. Hein, pour faire le démarrage de la prochaine journée au prochain épisode. Bon, on a quand même bien avancé. On a fini une quête principale, 3 quêtes secondaires sur les 4. Hein. On a reposé donc du coup les 2 abribus. Et on a même découvert une recette dans notre bouquin. Mince, je peux plus sauter. Hop. Allez. Toi, tu vas là. On va t'entraîner. Ok. Une petite galipette. Et je vais récupérer ce qui reste à récupérer. C'est-à-dire, bah, pas grand-chose. Faudra tout recommencer au prochain épisode. Refaire tous les crafts, machin... Voilà, là c'est vide, tout est vide. Je vais ranger juste rapidement mes sacs. Ça c'est quoi ça? Chapeau de travailleur.
Les pommes, on va les mettre là, parce qu'on avait vu qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Voilà. Ça, je vais remettre les mangeoires à fond. Je vais prendre de ça. Je crois que ça, ils en prennent. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi j'étais là-dessus alors qu'ils en mangent pas? Je sais pas. Bah, je vais prendre ça. Ça fera un peu de place comme ça en fait. Allez, là c'est bon. On est qu'à 20 sur 50, hein, c'est pas énorme. Et qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Bah, on va tester les figues de barbarie. Et puis on sait que les... Ah bon, on testera rien les loulous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.